J'ai commencé à écrire ce projet à une période où il était difficile pour moi de pratiquer mon métier, parce que c'était une période de confinement. Et je pense que j'ai eu besoin, à cette période particulière, de pouvoir retrouver une manière d'être en librairie. Et pour moi, la littérature et la narration a été le moyen d'avoir la librairie sous la patte. J'étais un ancien psychologue, j'ai travaillé très longtemps en hôpital, dans un centre de consultation mémoire, donc j'accompagnais les personnes atteintes de troubles de la mémoire et leurs familles, les aidants. Et je vivais des situations un petit peu difficiles. Il fallait dénouer à la fois faire preuve de psychoéducation et à la fois avancer sur ces sujets difficiles d'accompagnement. Et j'avais envie, pour mon premier roman, de travailler sur ce sujet, de pouvoir présenter un cadre bienveillant avec un sujet difficile. Parler d'un sujet dont les gens ne veulent pas vraiment parler, puisque c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui angoisse, l'oublie tout, ou la maladie d'Alzheimer. C'est un sujet qui est très peu abordé dans la littérature et la littérature jeunesse en particulier. Et c'était pour moi un moyen de nouer mes deux métiers de passion. Ça a été la psychologie d'abord, puis la librairie après. Et ce roman s'est fait très naturellement dans cette période très angoissante, mais il s'est fait dans l'envie de créer une bulle de réconfort, quelque chose de gourmand, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui se passe dans la forêt, mais avec une thématique profonde et que j'avais envie de transmettre au lecteur. Je crois que ça a commencé en juin 2020, si je me souviens bien. J'ai eu un contact avec Mickaël pour faire un projet d'affiches pour la librairie. Et on s'est rencontrés en septembre. Et suite à cette rencontre, je suis repartie avec un manuscrit qui s'appelait pas encore Mémoire de la forêt. Ça a été un coup de cœur incroyable à la lecture. Et Mickaël m'avait proposé du coup d'illustrer le roman. Et m'a mis en contact du coup avec l'école et loisirs et le contact a pris et il s'ensuit une collaboration qui a été très fluide, hyper entraînante, motivante entre le travail avec Mickaël, le travail avec l'éditeur Loïc. Voilà comment ça a débuté. Le personnage du renard est venu de manière très automatique. Je pense que pour ceux qui me suivent dans toutes mes activités, le renard est omniprésent. C'est un animal qui, pour moi, a beaucoup de symbolique, qui a à la fois beaucoup de symbolique dans la culture japonaise, mais aussi dans la culture provençale dont je suis originaire. Et c'était très évident, ce renard-là. En tout cas comme personnage principal, et puis voilà, j'étais un renard libraire frustré de ne pouvoir exercer, donc j'ai été un renard libraire de littérature. En ce qui concerne le personnage de la taupe, ce qui était sûr, c'est que je voulais un... Il faut parfois accepter d'enfoncer des portes ouvertes en littérature. Effectivement, ce personnage de la taupe est un personnage qui est réputé comme maladroit, donc c'était aussi un hommage à toute la littérature jeunesse que j'aimais beaucoup, Vent dans les saules. Ce personnage de taupe, il est apparu en même temps que sa coquille de noix. Ce qui était sûr, c'est qu'il fallait pas qu'il soit plus grand que la coquille. Et je peux pas en dire plus parce que sinon on va révéler beaucoup de choses. Mais je pense que la taupe arrive à incarner à la fois par le côté privation sensorielle. On a beaucoup de préjugés sur les taupes, la taupe aveugle, la taupe un peu maladroite, la taupe. Et en fait, pour moi, c'était le meilleur personnage pour incarner tous les tourments de la vieillesse, tous les tournants sensoriels de la vieillesse, le fait que la vue diminue, le fait que l'audition diminue, le fait que le déplacement est impacté. Et en fait, pour moi, la taupe gardait des caractéristiques qui pouvaient rapprocher d'une personne vieillissante. Et elle pouvait magnifiquement l'incarner tout en étant à la fois rabougrie et se rapprochant dans ce côté régressif de l'enfance, ce qui est le cas dans la plupart des syndromes d'atteinte de la mémoire. Donc en ça, pour moi, c'était le personnage parfait pour l'incarner. Archibald de Renard est un personnage bienveillant. S'il y a quelque chose que j'ai compris en passant du métier de soignant à celui de libraire, au moment où je l'ai fait, c'est que c'était finalement deux métiers qui se ressemblaient, puisqu'on est là pour les gens. On est dans une démarche d'accompagnement, sauf qu'en librairie, on est souvent sur des démarches plutôt positives, sur des moments de joie. Le moment où on s'achète un livre, c'est un moment de joie. Et finalement, lorsqu'on est à l'hôpital, c'est différent. Et finalement, Archibald suit le parcours inverse du mien, c'est-à-dire qu'il passe de libraire
à l'accompagnant presque professionnel. Il est cette espèce d'aidant parfait. Alors oui, il est déconcerté, il ne comprend pas tout ce qui se passe, mais malgré tout, à chaque instant, il n'est jamais dans le refus, il reste présent malgré l'incompréhension. Et ce personnage est pour moi l'incarnation de tout ce en quoi je crois, en tout cas dans les relations humaines. Lorsqu'une situation de communication est en train d'échouer, lorsqu'on n'arrive plus à communiquer entre êtres humains, que ce soit parce qu'on est deux personnes différentes ou parce qu'il y a quelque chose qui vient impacter cette relation, comme la maladie, on a besoin de s'arrêter, de prendre du recul, de changer de lunettes l'espace d'un instant pour essayer de voir cette situation d'un autre angle, c'est-à-dire essayer de partir de notre sentiment pour essayer de se décentrer de ce qu'on est en train de vivre, essayer de se dire voilà, là on a une personne, je fais le ménage à l'intérieur de moi pour essayer de voir ce que je peux ressentir, de ce que je peux attraper de sentiments de l'autre et de pouvoir l'aider. Et c'est cette position qu'a Archibald tout au long de cet accompagnement, de cette aventure finalement. Et il va vivre beaucoup de choses sans nous parler beaucoup de lui, en tout cas dans ce premier tome. La seule chose qu'il nous dit, c'est que c'est une personne bienveillante qui est capable de mettre de côté son existence pour accompagner l'autre. En jeunesse, comparé par rapport à ce que je fais en bande dessinée, je fais plus de l'animalier. Donc le lien s'est fait assez naturellement. Ce qui est très drôle, c'est parce que je dessinais beaucoup des animaux quand j'étais petite. Donc je revenais un petit peu aux sources, en fait, au niveau du dessin. L'anthropomorphisme, en fait, m'a pas du tout dérangée. C'est vraiment quelque chose qui venait assez naturellement. Au niveau de la nature aussi, c'est des thématiques qui moi, me touchent beaucoup et dans lesquelles je me sens à l'aise. Le côté organique, je pense, est très présent dans tout ce que je fais en termes de dessin. Et ça a été une évidence par rapport à ce projet. Pour les souvenirs de Ferdinand Taupe, on est plutôt sur une fin d'été. Donc j'avais ces images de fin de soleil, de lumière très chaude et très réconfortante, qui étaient très liées en fait aussi au propos du livre. On va suivre en fait les saisons. Donc on va partir sur des couleurs qui vont petit à petit en fait peut-être se refroidir ou se réchauffer suivant les périodes de l'année. Moi j'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire aussi, mettant en dessin et en couleur mes illustrations. C'est un peu comme une observation de tableaux, de fenêtres, de le ciel au fur et à mesure du temps en fait, qui me trotte en tête en fait, et que j'essaie de reproduire par rapport aux scènes que l'on voit, qu'on traverse au fur et à mesure. Mémoire de la forêt sera une série normalement en 4 volumes, dans le deuxième volume qui paraîtra normalement en mars 2023, qui s'appellera Les Carnets de Cornelius Renard. On s'intéressera au destin particulier d'Archibald, le libraire, et à la création de sa librairie. Sa librairie qui est un lieu qu'on a quitté très très vite finalement au premier volume, mais dans lequel on va s'intéresser dans le deuxième. Et j'aime cette idée de chronique familiale. Et donc, de cet accompagnant, nous allons en faire le héros principal de l'histoire et essayer de voir comment cette librairie a été créée. Et pourquoi est-il finalement aussi bienveillant? Pourquoi est-il libraire? Quelles sont les origines de tout ce qu'on fait? Et c'est un peu ce que va nous raconter Archimald dans le deuxième volume.